quand vos pieds sont mouillés, vous pouvez voir les plis qui sillonnent vos plantes et déforment vos orteils. Quel dédale! Les plis dans la peau impliquent qu'une couche de peau est recourbée sur l'autre, comme si vous la pinciez continuellement. Ces plis sont très profonds et marcher dessus peut être douloureux, surtout si votre poids est grand. Mais la vraie douleur provient des endroits où deux plis se rencontrent, les croisements de plis. Puisque chaque pli est un sillon, leurs croisements sont comme des cratères qui s'enfoncent profondément dans votre peau. Et ils font mal. Chaque point douloureux sur vos pieds est en fait un croisement de plis. C'est la tension à l'intérieur d'un croisement de plis qui le rend douloureux. Quand vous enfoncez votre ongle dedans, vous abaissez sa tension et la douleur est réduite. Pour exécuter des touches de pression, placez votre ongle sur un endroit douloureux et appliquez une pression modérée pendant quelques secondes. Relâchez la pression et répétez. Et répétez. Et répétez. Abstenez-vous de mettre trop de pression ou vous risquez de déchirer la peau. Vous pouvez utiliser votre ongle, votre bout de doigt ou les deux. Les touches de pression durent habituellement de 2 à 5 secondes. Mais si vous sentez que votre ongle est exactement au bon endroit, vous pouvez les allonger à plus d'une minute. Pour accomplir le travail plus rapidement, groupez jusqu'à 4 doigts ensemble et servez-vous de vos deux mains. Vous trouverez des centaines de croisements de plis sur vos pieds, mais seulement quelques-uns sont douloureux. Toilettez ceux-là en premier. En explorant la peau d'une région douloureuse avec votre ongle, vous sentirez immédiatement les plis. Essayez de trouver le point où la douleur est la plus intense et vous découvrirez une dépression, une bosse ou une déformation cutanée. C'est un croisement de plis. En pressant votre ongle dessus, vous sentirez votre douleur à l'intérieur. Puisque vous pouvez atteindre votre douleur si facilement, ça prouve qu'elle ne provient pas des os, articulations, muscles, tendons ou ligaments sous la peau, mais bien de la peau elle-même. Il faut trouver une pression adéquate qui libérera la peau sans vous blesser davantage. On peut facilement mettre trop de pression. Alors, dans le doute, retenez votre ongle. Appliquez plusieurs touches de pression sur chaque croisement. Plus vous écrasez et aplatissez les plis et leurs croisements, plus la douleur diminuera pour éventuellement disparaître. La peau du dessus de vos pieds est très mince à comparer avec la plante. Elle s'est fait compresser par tout ce que vous avez porté. La peau a perdu sa flexibilité et s'est attachée aux os et aux mécanismes des articulations de vos pieds et de vos chevilles. Maintenant, quand vous tournez trop votre pied, la douleur apparaît. Vous pouvez ramener la souplesse perdue en couvrant toute la région de touches de pression à 4 doigts, aussi souvent que vous le pouvez. Assurez-vous de ne pas gratter la peau en vous toilettant. La peau deviendra graduellement plus malléable et sans douleur. Le pli le plus important sur chaque pied est le pli de position debout. Vous passez beaucoup de temps debout ou à marcher et le poids de votre corps crée un pli au niveau du sol tout autour de vos pieds. Ce pli très compressé divise la plante du haut de votre pied et vos douleurs en proviennent souvent. Le pli de position debout nécessite une attention particulière, mais seulement dans certaines sections. Les callosités sont des zones de peau durcies et les gens emploient toutes sortes de méthodes pour les enlever. Ils ne comprennent pas que la peau des callosités est pliée. C'est la profondeur de ces plis qui rend la peau épaisse.
La peau doit être dépliée et non sablée. Labourez la peau des régions durcies répétitivement avec vos ongles et elles retrouveront leur flexibilité et perdront toute douleur. Chaque fois que vous pressez votre ongle dans votre malle et que vous libérez la peau, vous enlevez la cause de la douleur. Libérer vos pieds est un long processus qui ne s'accomplit pas en quelques jours. Essayez de vous toiletter souvent, mais pour de courtes périodes. L'eau rend la peau beaucoup plus souple. Alors, essayez de vous toiletter pendant le bain ou la douche, ou dans les minutes qui suivent. La peau de la plante des pieds est excessivement sensible et peut se montrer chatouilleuse. Mais vous devriez réussir à surmonter cette sensation. Si vous vous blessez, n'abandonnez pas. Laissez guérir, puis révisez votre technique. Changez votre attitude envers la peau de vos pieds et respectez-la davantage. Tout inconfort que vous lui causez maintenant reviendra vous hanter péniblement. Repensez vos chaussures. Si vous ne pouvez pas courir avec ce que vous portez, vous blessez vos pieds. Gardez toujours vos pieds les plus droits possibles. Pour plus d'informations sur le toilettage humain, visitez mon site internet. Merci et bon toilettage!